En fait, c'est à cause de mes problèmes scolaires et bah, j'étais un peu speed, donc ouais, j'étais partout à la fois. En fait. Mais en fait, j'ai appris à lire sur des magazines de tennis de table, des trucs comme ça. C'est vrai? Ouais. Moi au début je savais pas lire et écrire extrêmement bien et donc c'est ce qui m'a handicapé un petit peu suite à une maladie qui m'a été assez longue étant petit. Avant je bougeais extrêmement beaucoup en classe, maintenant bah, je bouge moins, je suis plus calme et puis je me concentre mieux sur le boulot qu'il y a à faire. Les gros objectifs, il y en a deux, il y a les championnats d'Europe et puis les Global Games. Sachant que cette année, c'est peut-être ma dernière année parce que l'année prochaine, ça, faut que j'en discute avec ma famille, mes entraîneurs et puis ma copine. On va être sûr de ce que je fais quand même l'année prochaine, si j'arrête ou si je continue l'année prochaine. Le CREF, hein, c'est leur idée, hein. Enfin, un centre de haut niveau pour personnes différentes, c'est leur idée à eux, c'est pas au départ où je pensais absolument pas. Et en fait, on a monté ce projet-là, j'ai écrit ce projet-là, et puis la région Vatou-Charente a dit bah, « ça nous plaît comme projet, ça nous intéresse, on marche dedans ». Ils veulent être reconnus. Si Jacques fait ça, lui, c'est pour être reconnu, avoir une place. Quand t'as pas eu de place avant, et que là, tu t'aperçois qu'on t'invite, avec les sportifs, hein, avec les Brian Joubert, avec tous les gens de la région qui sont médaillés européens, lui, il a son importance et il vient à des repas comme ça. Il se dit, moi, j'ai une place. Il n'a pas envie de l'abandonner, cette place-là. Bah, les Global Games, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, en fait. Mais c'est les Jeux Olympiques sport adapté. Bah, c'est une compétition assez importante, c'est impressionnant. Surtout quand tu connais pas le milieu international. Donc tu découvres beaucoup de choses à la fois. Tu arrives avec les yeux grands ouverts, tu regardes partout ce qui se passe. Mais là, cette fois-ci, je vais pas pour faire de la figuration.